Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Retro News pour ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. Le quartier Bisango-Bibéré, situé entre le point kilométrique 12 et Bikélé, encore en marge du processus d'urbanisation, là-bas les routes restent impraticables et l'adduction en eau potable et en électricité n'est pas toujours effective. C'est un reportage de Douglas Tontoum et Refit Souga. Situé entre le PK12 et Bikélé, Bisango-Bibéré, cette ancienne bourgade qui, au jour le jour, a opéré sa mue pour devenir un quartier à part entière, est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. La route est catastrophique pendant la saison sèche, la saison de pluie. On ne peut pas passer les petites voitures. C'est à cause de ça que les travaux ne peuvent se faire qu'en saison sèche. Ici, les maisons se construisent sans aucune organisation. Une des principales difficultés dans ce nouveau quartier, c'est la route, car impraticable en saison des pluies. Si j'ai un message à lancer, c'est de dire aux autorités que c'est ces endroits qui ont déjà les routes, où les gens ont déjà les terrains, il va falloir qu'ils tiennent compte de tous ces détails et qu'ils viennent mettre la route et qu'ils mettent des adductions d'eau et d'électricité. Ça peut permettre d'élargir la ville. La ville ne va pas se quadrer seulement dans les vieux quartiers. Il va falloir que la ville s'élargisse jusqu'au petit bout du village. Hein, rappelez-vous, il y a 5 ans, on n'était pas comme ça. Rappelez-vous, il y a 10 ans, Mindoumbé n'était pas comme ça. Pour éviter que ce quartier émergent ne connaisse les mêmes problèmes qu'à Kébé, Kembo ou encore Kingélé, le gouvernement devrait le plus tôt possible se saisir de ce dossier et procéder à la viabilisation de ce quartier en commençant par la route, l'eau et l'électricité. La deuxième édition du symposium de sculpture sur bois a démarré depuis mardi dernier à Libreville. 12 artistes de différentes nationalités devront chacun créer et présenter une œuvre au jury. Étaient sur place Martial Tsonga et Fendongo. Ils sont venus de divers horizons des continents européens et africains pour participer au deuxième symposium de Libreville. Les artistes sont déjà à la tâche et ont une dizaine de jours pour matérialiser leur œuvre. Un lieu de rendez-vous à l'appréciation des autorités gabonaises. Moi, ce que j'attends des participants au symposium, c'est que d'abord le délai soit respecté. C'est un délai qui est extrêmement court, une dizaine de jours, mais ce sont des professionnels. Et je pense qu'il appartiendra à chacun de nous de venir, de visiter et de voir comment se construit une œuvre. Une dizaine de jours, c'est le délai accordé aux artistes pour réaliser leur chef-d'œuvre, des sculptures qui seront mises à la disposition du ministère de la Culture. L'œuvre est en gestation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quand l'œuvre sera terminée, qu'elle aura couronné le travail de l'artiste pour pouvoir en dire des choses. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Nous en faisons le fonds d'art contemporain, le projet de fonds d'art contemporain gabonais et à la naissance aussi de ce symposium. Qu'est-ce que nous en faisons par après? Nous mettons ces œuvres à la disposition des institutions et des administrations pour qu'il y ait une âme gabonaise à l'intérieur d'un certain nombre de locaux, qu'ils soient institutionnels ou administratifs. Voilà qui va certainement enrichir la culture gabonaise avec d'autres cultures venues d'ailleurs, telles que la tanzanienne, la togolaise, l'ivoirienne, centrafricaine, camerounaise, turque et française. En politique, retenons que le gouvernement gabonais, via le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne, vient de signer un protocole d'accord en matière de pêche, un nouvel accord en vigueur des signatures qui s'étendra jusqu'en juillet 2016, comme nous le précise ici Muriel Doyenné et Frendongo. Quatrième accord signé entre le Gabon et l'Union européenne en matière de pêche et d'aquaculture, cette coopération qui se signale déjà très fructueuse et équilibrée pour la partie gabonaise, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce protocole accorde à la partie gabonaise une contrepartie financière et un appui sectoriel substantiel. Nous pouvons donc dire que l'Union européenne et le Gabon ont signé un accord équilibré qui permettra aux deux parties de tirer le bénéfice à la satisfaction de leur population, à la satisfaction de leur gouvernement respectif.
Par cette collaboration, l'Union européenne se dit déterminée à accompagner structurellement le Gabon dans ce domaine. C'est un accord qui apporte au Gabon donc un soutien dans le domaine de la pêche, un soutien structurel également des droits de pêche qui proviennent des opérateurs. Et ça permettra donc au Gabon de moderniser ce secteur, de travailler sur une réforme de structure. Cet accord paraffé en avril dernier à Bruxelles donne la possibilité à 27 thoniers seineurs et 8 canneurs de pêcher le thon et d'autres espèces hautement migratoires dans la zone économique exclusive du Gabon pour un tonnage référentiel de 20 000 tonnes par an. Et pendant ce temps, les agents services dans les greffes pénitentiaires du pays en séminaire de formation technique depuis ce jeudi à Libreville. Une formation de 2 jours leur permettant de renforcer leurs capacités dans leurs fonctions respectives. Lorraine Doyenné, Justin Bitégui. Doter les greffiers d'une expertise technique et pratique visant l'amélioration de la qualité du service dans les greffes du pays, tel est le but visé par cette formation. Au regard du rôle et de l'importance du service de greffe dans une unité carcérale, le séminaire de ce jour vient à point nommé. D'autant plus que la formation du public cible, objet des présentes assises, participe au renforcement des capacités opérationnelles des agents de l'État, qui constitue l'un des axes majeurs du plan stratégique Gabon émergent. Les services de greffe confrontés plus que jamais à de fortes contraintes et à un contexte d'évolution constante, la formation des greffiers apparaît ici comme une injonction pour l'administration pénitentiaire au Gabon. La formation des personnels pénitentiaires constitue un enjeu stratégique pour l'administration pénitentiaire dans l'effort de modernisation qu'elle doit poursuivre pour mieux accomplir les missions qui lui sont imparties. Service névralgique d'une unité carcérale, la formation des personnels apparaît comme l'un des leviers majeurs de la professionnalisation des acteurs et de l'adaptation des compétences de ces personnels. Et on termine avec cette cérémonie d'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique centrale des U19 de handball qui se tient du 25 au 31 juillet à Libreville, moment rehaussé par la présence de plusieurs hautes personnalités et le parrain de l'événement, Luc Abalo. Mamadou Niang, Justin Bitégui. Présidée par le ministre délégué en charge du sport et la secrétaire générale de la présidence de la République, la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique centrale de handball U19 a été une occasion pour la présidente de la Fédération gabonaise de traduire la fierté d'accueillir l'événement et de saluer l'engagement des autorités pour sa concrétisation. Votre présence parmi nous, monsieur le ministre, traduit la volonté et l'ambition du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui estime que le sport, d'une manière générale, et le handball en particulier, doit être rassembleur. Les athlètes africains, gabonais, doivent participer au développement du sport mondial. Pour le directeur administratif de l'Union des fédérations d'handball de l'Afrique centrale, qui a remercié l'État gabonais, cette première édition est placée sous le signe de l'amitié et de l'émulation pour la jeunesse de la zone. L'Union des fédérations de handball de l'Afrique centrale complimente le président de la République ainsi que tout le gouvernement pour avoir disponibilisé les moyens et avoir appuyé la FEGAN afin de la concrétisation de cette grande événement. Place ensuite au ministre délégué en charge du sport qui déclare ouverte la première édition de la Coupe d'Afrique centrale. Je voudrais tout simplement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déclarer ouverte la première Coupe d'Afrique centrale de Hong Kong. La présentation des équipes à Madame la Secrétaire Générale de la Présidence de la République et au match d'ouverture Gabon-Cameroun remporté par les Panthéros. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain, même heure.